Quand le prince Harry était encore un membre actif de la famille royale britannique, son agenda et ses apparitions publiques étaient gérés par des conseillers privés en concertation avec les autres équipes des membres de la couronne. Chacun son moment, personne ne se faisait de l'ombre. Mais depuis le mégot et son départ fracassant aux États-Unis, le duc de Sussex est devenu incontrôlable. Ce jeudi 30 mars, le prince Harry a fait une nouvelle apparition surprise pour le dernier jour de l'audience préliminaire dans le cadre du procès qu'il intente à Associated Newspaper Limited, pour violation de vie privée. Alors que certains pensaient le fils cadet de Charles III déjà reparti, il a une nouvelle fois été photographié aux abords de la haute cour de Londres. Problème, le jour même, son père, Charles III, a prononcé un discours historique devant le Bundestag en Allemagne, lors de sa première visite d'État en tant que monarque. S'exprimant en allemand et en anglais, le roi a remercié le peuple allemand pour ses vœux chaleureux après le décès de la reine et a souligné les liens qui unissent les deux pays. Ce discours devant le Parlement allemand était une première pour un monarque britannique. Mais les deux événements se sont télescopés. De quoi sérieusement agacer le nouveau monarque, qui n'a pas souhaité voir son fils cadet avant son départ pour Berlin. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en image, le prince William et Kate Middleton font tout l'inverse du prince Harry. Un imbroglio avait déjà été évité de justesse quelques jours plus tôt. Le 27 mars dernier, le prince Harry a posé le pied sur le sol anglais pour assister à son procès, auquel il n'était pas tenu de se rendre, alors que son père devait débuter sa visite d'État en France. Mais le séjour a dû être reporté. Le prince Harry avait fait une apparition remarquée alors que le roi restait en retrait avant son voyage pour l'Allemagne. Mais ce 30 mars, le duc de Sussex a continué de faire parler de lui en apparaissant une nouvelle fois à la haute cour de Londres, menaçant de reléguer les temps forts de la visite d'État de Charles III et Camilla au second plan. Le prince William, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants passent leurs vacances pour les fêtes de Pâques en toute discrétion. Ce qui devait laisser le champ libre au couple royal. Mais le prince Harry en a visiblement décidé autrement. Crédit photo, Zoom Press Best Images.